Et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans... Ok. Tac, tac. Tac, tac, tac. The Bending of Isaac. Afterverse Plus. Où l'image arrive toujours en retard. Je teste un réglage différent du volume. Et c'est déjà trop fort. C'est con, hein? Voilà, c'est mieux. On va voir ce que ça donne sur l'enregistrement. Hier, on a fait un score pourri parce que il fallait pas avoir de chance. Hier, c'était un run où si tu avais de la chance, ça marchait pas. Aujourd'hui, c'est un run où je sais pas parce que je vais pas me documenter avant. Et donc du coup, c'est un peu la surprise. Alors ça, on va le boire comme ça, hop. Apollyon avec Void. Que dire de plus? 1, 2, 3, 3, 3. Voilà. On a déjà eu un petit boost de dégâts alors même qu'on a à peine commencé. Et ça fait plaisir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et 1 et 2 si je me trompe pas. Ouah, j'ai gardé le compte. C'est énorme. Ça ne sert à rien. Mais c'est énorme. Donc à ce niveau-là, ça ne sert à rien. Il y a des moments où ça va peut-être devenir important de savoir qui pète quand. Mais là, ça va. Ce run va officiellement jusqu'à Mom. Ce qui veut dire que si on peut pousser le bouchon un peu plus loin, ça fera bien plaisir. T'arrêtes de sauter, merci. Pas d'item room, si on l'a eu, il reste une salle. C'est peut-être une salle du sacrifice, mais on va voir quand même, on sait jamais. Si on peut trouver une bombe pour le Tinted Rock, c'est tout bénef. Ou deux bombes, en l'occurrence. Eh ben non. Bon, on a 2 centimes, donc le magasin a peu de chances d'être intéressant. S'il y a une bombe dedans en promo, elle a 3 centimes. On va avancer. Duke of Flies. Je suis en train de me dire qu'au niveau du mixage du son, je pourrais le faire directement dans OBS en fait. Parce que là, ce que je fais, c'est que j'enregistre sur 2 pistes différentes. Et je les mixe ensuite vite fait avec une commande qui prend 15 secondes, quoi. Mais je pourrais dans OBS pré-mixer le truc. Ça me faciliterait la vie. Hein. Ouais, je pense à des trucs très utiles parce que, comme vous aurez remarqué, ce combat. Il n'est pas fascinant. Voilà, ça c'est nul. On prend ça et on avance. Bon, je pense qu'on a géré bien le premier étage. Je vois pas ce que j'aurais pu rater dans ce qu'on vient de faire. Après, des fois, on a des surprises. Mais... Ok. Donc là, on essaye de pas se prendre de dégâts pour protéger le deal with the devil. Deal with the devil. 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 Ouais, c'est dur à dire avec l'accent parce que c'est pas un mot qu'on emploie souvent. J'ai failli faire une connerie, mais c'est pas grave. Ok. Voilà, là, ça devrait être bon. Il reste plus que des ennemis très gérables. Viens par là, toi. Viens par là. Viens repars là. Et voilà. Ces ennemis-là, si on n'est pas harcelé de tous les côtés, c'est gérable. La salle secrète est peut-être en bas à gauche. Ou au-dessus à droite. Finalement. Tap 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 tap. Vous savez quoi, on a que 2 bombes, mais si ça c'est la salle secrète, c'est plus cool. Parce qu'il y a des choses dedans. Notamment rien d'intéressant. On va faire ça comme ça, histoire de dire. Ok, on va prendre ça. Parce que globalement. C'est plus intéressant de gratter de la vie grise, et on va même aller chercher le cœur là-haut, que de d'avoir un potentiel boost de stats avec Void sur un item passif. Donne-moi un truc, c'est un cœur. Et là, on est bien parce que je protège le deal, je pourrais prendre un deal s'il y en a un qui est bien. Et c'est déjà pas mal. J'ai plus de bombes, mais c'est pas grave.
Et paf! Ouais, alors toi, voilà. Petit cœur? Oui. Le magasin, on a pas assez d'argent. C'est un peu le problème de ce run pour l'instant. L'argent! Nous n'avons pas assez d'abonnés. Oui, forcément, à zéro, ça fait peu! Me demandez pas comment j'ai esquivé les tirs, là, c'était un peu d'instinct et un peu de moule. L'instinct, parce que je regarde au sol les ombres et que je m'en sers comme guide d'esquive. La moule, parce que, vu le merdier qu'il y a au sol, c'est compliqué de bien suivre ce qui se passe. Donc donne-moi un autre cœur, oui. On va d'abord aller voir là. Ok, ben on va prendre les deux, hein. Vu que c'est le même prix, mais que c'est juste méchamment mieux. Moi je dis... Oh! Ensuite ça... est-ce que le luck-up est intéressant? Non. Bah d'ailleurs je l'ai eu. J'ai eu luck-up plus vitesse. Le combo idéal. Non, pas du tout, mais c'est mieux que juste un seul, d'en avoir deux, quoi. Je pense qu'on peut même se permettre de visiter un peu des salles en plus. Le couteau! Oh putain! Ma faute. J'ai voulu trop faire ça. Donc j'ai pris un coup, totalement ma faute, j'ai chargé sur un ennemi, il fallait pas. Toujours pas de bombe. Voilà, toujours pas de bombe. Par contre là, le magasin, il devient tentable. Ok, alors... Je vais me retenir d'aller au couteau sur ce genre de mob. Comprenez pourquoi, je pense. Je peux vous expliquer. Mais il est possible que ça ait des chances avec le fait qu'ils explosent quand on s'approche. Enfin, quand on les tue. Et que si on les tue en étant prêt, ben, ils explosent quand on est prêt. Non, mais on fait pas les ZAD, s'il vous plaît, c'est pas bien. Voilà. Encore de la vie, non. Dommage. Magnifique. Alors là, on va juste arroser tant qu'on peut et espérer que ça passe quelque chose. Voilà, on arrose toujours. C'est génial. Quand on en chope plein d'un coup, c'est vraiment idéal. On va éviter le backtracking. Je sens que sur la gauche, ça s'étend longtemps. L'instant. Voilà, on va faire ça comme ça. Bien, approche-toi. Approche-toi du couteau. Approche du couteau. Non mais oh. T'apprends, moi. Le sud. On dirait le sud. C'est nul comme phrase. C'est pas le nord d'habitude? Eh. On dirait. Ball and chain. C'est pas transcendant. Peut-être qu'on peut faire mieux. Oui. Alors que damage up, j'avoue que c'est con vu qu'on a le The Void, on aurait pu l'absorber, mais... Hein. Ok. Ya. Yeah. Ok. Donc là, je veux juste pas sauter. Remarque, la bombe, ça peut être pas mal, mais le cœur, j'en ai plein. La bombe sera pas mal simplement pour augmenter nos chances de deal. Allez. Tac, 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 tac. J'aurais dû péter un autre des shopkeepers pour en choper deux, mais c'est pas grave. On fonce. C'était quoi ça? C'est un cœur. Et on va le prendre. Ça fait pas trop de mal d'avoir plus de vie. Mais globalement, c'est l'inverse le problème. Donc, et j'étais médisant, la fin du niveau était en bas. Donc ça veut dire que là, il reste pas beaucoup de salles de toute façon. Allez, tire. C'est un peu osé, mais c'est passé. J'ai pas de bombe, donc la salle secrète, même si j'ai une vague idée, je ne vais pas la tenter, mais j'aurais dit par là. Et donc, prochain client. Qui que c'est que ça va être? Le suspense. Big Horn. Ouais, je me suis trop approché. Je voulais lui mettre le couteau, c'est dommage. Voilà. Ça, c'est un HP up et un damage up.
Je préfère un tears up et un speed up. Le damage up me manquera, mais le tears up compense largement. On est à 5, c'est la cadence max par défaut. Je pense que c'est pas mal quand même. Oh, dommage. Il n'y aurait pas eu le caillou au-dessus, j'aurais essayé le trou au-dessus, j'aurais essayé de la pousser vers le haut. Encore? Oh, vous êtes trop chiant par contre. Merci d'avoir. Oh zut. Merci d'avoir joué, j'allais dire. Ok, ça c'est cadeau. Toutou. Qu'est-ce que c'est que cette pilule? Je le vois pas parce qu'il y a un crétin qui me parle sur Steam. Merde. D'ailleurs, vous savez quoi? Désolé pour cette interruption de service. Voilà. Ça, les gens, ils arrêtent de me faire chier. Enfin bref. 3 centimes, je vois même pas pourquoi je suis venu ici. Non, ça passe. Est-ce qu'on tente tout de suite le boss? On n'a même pas eu l'item room. On a 10 minutes dans Kefsu. On va chercher l'item room vite fait, mais on finira peut-être pas tout l'étage si le run est assez cool pour ça. Voilà. Il y a peut-être une salle secrète en dessous à gauche. On va voir. Non, ça c'est naze. Ça a vite fait. C'est naze aussi comme salle. Je suis pas fan du concept. Non, 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 non. Et toi, t'es mort. On va tenter la salle secrète. J'ai qu'une bombe de toute façon. Là-haut, c'est possible. Ouais, c'est tout à fait possible. C'était inutile. Bon, le boss. Gurdim. D'où... Ah, bordel. Putain, j'ai vite. Enfin, je vais à 1,40 quand même. Ça devrait quand même bien marcher. Ok, donc on va prendre ça. Ensuite, on va attendre que lui, il arrive. Pour ça, c'est pas très... Oh, Spirit of the Night. Gratuit, presque. On vole. Et ça, c'est bien. On vole avec le couteau. On peut se mettre sur les cailloux à l'abri. Bon, par contre, maintenant, il faudrait bien qu'on trouve un magasin pour acheter une carte, mais bon. Ça dépendra beaucoup du jeu, en fait. Oh! J'ai tellement l'habitude de les esquiver facilement que j'ai arrêté de le faire. C'était une mauvaise idée. Il a pas eu l'animation de tir. Ok, le machin il tire sans anime. Il n'y a pas de problème. Le jeu est tranquille. Tac, 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 tac. Aucun intérêt de se battre contre les araignées, mais bon, elles sont mortes au passage, donc. Et voilà. Bon, je sais pas quoi faire de mon void de charger. Je n'ai pas de bombe, ça c'est The Sun, fantastique. On va aller tout en haut, bref. On a quel étage là? Steps 1. Ouais, on va finir le haut. Une bombe, un Tinted Rock, la joie. Pas tant que ça en fait. Ça devrait aller relativement vite quand même là. Oh non, j'essaie d'abuser et... Ah, dommage. Faut pas essayer d'abuser, c'est pas bien. Qui que c'est que j'ai? Personne. Pip, pip. Des gens invisibles, ok.
Bah écoutez, on va juste faire ça comme ça, hein. Bon, ma fini. Merci d'avoir joué, toi, hop. Vous savez quoi, bon, ma fini, on peut tenter ça quand même. Et d'ailleurs... ouais, tiens, pourquoi pas un cœur? C'est pas de mal, hein. Déjà, un, c'est pas trop grave. On n'a pas de War of Babylon. Donc c'est cool. Est-ce que ça pourrait être une salle secrète? Non. Carrément pas. De toute façon, on la voit la salle secrète. Je vois pas pourquoi je m'embête. C'est pas une réflexion à avoir quand on n'en a pas besoin. Non. Nope. Je suis surpris que ce soit passé en haut là. Mais écoutez, moi tant que ça passe. I'm excited, super. Pas cool. Ça, c'est cadeau. Et puis ça aussi, c'est cadeau, je veux dire, c'est gratuit, on en profite. On peut pas vraiment mettre ça dans Void, ce serait pas une vraiment bonne idée. Alors on va pas le faire. Bon, ok, l'Eternal Fly, tu vas crever comme une merde. Voilà! Et maintenant, on a une vue bien dégagée. Et on fait quand même pas très mal, je trouve. Mais c'était quoi cette physique des trucs, là? Comment ils rebondissaient entre eux, c'est n'importe quoi. Perks, ok, c'est bon à savoir. Pour la prochaine fois. Ouais. Tinted Rock. Plein de cailloux. On sait jamais, un crawl space peut toujours arriver. Voilà, toi tu prends ça. Bordel! Ça ne m'arrange pas tout cela. C'est pas une carte de téléportation et ça ne m'arrange pas. Oh! Ah! C'est pas glorieux. Merde, elle est passée où ma bombe là? On peut avoir un TP au prochain étage, c'est possible. Pas grave, on gagne du temps. Speed up, size down, pilule, phéromone. Cette carte elle active mon item actif, c'est-à-dire Void. Pardon? Le machin il a bougé avant que j'arrive. Il m'a anticipé quoi. Pas cool. Alors au niveau du chrono, on est à bientôt 16 minutes. Et on s'en fout de ça. Et... non, on s'en fout peut-être pas, cela dit. Merde. Ok, donc toi tu vas prendre ça. Est-ce que je fais la salle de combat? Voilà. Non, 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 non. Remarque, j'ai pas de trinket. Ça augmente les drops de cœur rouge. Et on a Dark Bum. Donc ça reste intéressant. On va faire la salle de combat, je veux dire là c'est... C'était potentiellement trop intéressant. Et The World reste pas mal même si c'est pas du tout un TP comme je l'aurais voulu. Voilà. On est full life. Il y a une Cursed Room qu'on va jouer. Bien évidemment. Merde, le caillou, le couteau qui tourne. Hierophant. Parfait, on va garder ça plutôt que l'autre. On va pas faire les salles extra inutiles. Malheureusement, le chrono nous encourage pas du tout à ça. Ouais, alors.
si vous pouviez mourir. Voilà. Je sais même plus ce que c'est ça. Je crois que c'est que je perds des morceaux. Vous savez quoi? On va le prendre soi-même. Ce sera très bien. Le magasin, vite fait. Il peut y avoir des cartes dedans. Ou du reroll. S'il n'y a pas de cartes, il y a du reroll. On va tenter le reroll. Là, clairement, il me faut une TP hors du boss. Ah, remarque, s'il y a... Non, il n'y a pas de... S'il n'y a pas de Cursed Room, ça sert à rien, on s'en fout. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça non plus, je voulais utiliser une carte. Enfin, prendre une carte. Ok, pas de carte. Fichu. Ok, alors j'ai plus le temps d'aller voir si la salle en bas est une cursed room. Et de toute façon, très franchement, si c'en est une et que je peux pas y aller, ça ne sert à rien. Je n'ai plus de bombe, c'est vrai. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On va quand même tenter ça. Ça, ça fait toujours plaisir. Ok. Après, on peut toujours choper l'appel sur un deal with the devil, mais les chances sont assez faibles quand même. Allez, montre-toi le boss. Ok, tu es môme. Môme rouge, génial. Ça va juste être chiant. Mais avec le couteau, on devrait avoir une petite chance de s'en sortir correctement au chrono. Sauf si elle fait trop souvent les yeux. Voilà, elle n'a pas fait trop souvent les yeux. On a pris ça, là on va prendre ça, puis ça. Ça c'est quoi? The Moon. Excellent, c'est ce que je voulais. Et Hierophant. Du coup on va garder Empress. On va prendre le bouquin. Hop. Oui, je voulais pas rater Boss Rush. Donc, on crame Empress. On crame le bouquin, ce qui nous met un petit boost de dégâts dans la figure. Ces deux trucs sont nazes. Choisir, on va prendre celui-là, il est moins dangereux que l'autre. Ok, et là par contre on fait un peu des dégâts, vu la tronche de nos larmes, c'est quand même plus sympa. Toi là, tu vas t'en prendre plein la gueule. Ok, war, c'est gérable. Il est où? Il est là. C'est pas trivial de l'enchaîner comme il faut. Voilà. Alors, je vais pas trop abuser du couteau. Parce que trop abuser du couteau, ça veut dire prendre des coups pour rien. C'est un peu dommage. L'araignée, si elle pouvait mourir. Voilà. Ouais, parce qu'on a Curse of Darkness, et ça, c'est pas génial. Mais j'ai pas vraiment le choix en même temps. Ok. Toi, t'es plus chiant que l'autre. Ok, ah, y a rien au milieu. Je croyais qu'il y avait des cailloux encore, mais non, ils ont dû disparaître à un moment précédent. Ok. Bon, j'ai pris un coup, ça va, c'est pas grave. Pour mon année. Coucou. Je suis intouchable, coucou. Ok, toi, je t'aime pas du tout, du tout. Aïe. Bah d'ailleurs, je t'aime tellement pas que tu vas te prendre des cailloux dans la figure, des couteaux dans la figure. Et voilà. Il reste des ZAD, ouais, un peu.
J'aime autant les éliminer. Les aides n'empêchent pas le passage à la vague suivante. Mais en même temps, ils peuvent être un peu embêtants. Voilà, ensuite. Ça se passe bien. Voilà, un de moins. Plop, 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 plop. Plop. Toi, je t'aime pas. Y a encore certains. Ils peuvent tirer les petits fantômes maintenant? J'ignorais. On en apprend tous les jours, hein. Manifestement. Voyez, les ennemis où on peut se mettre sur les. Ah oui, sur les cailloux, c'est bien, sauf quand il y a un ennemi qui pète les cailloux. Là, c'est moins. Ouh, toi, par contre, t'es plus prioritaire que l'autre. Lâche ton cheval, lâche ton cheval, lâche ton cheval. Voilà. Ensuite. Fou le cheval. Il est où, Loki? J'ai même pas vu les larmes passer, putain. Nope. Ok, pin. Je suis sûr que c'est pin. Ouch. Excellent. Non mais là les gars, avec les dégâts que je fais, vous êtes mal barrés quand même. J'aurais bien aimé qu'il tue son collègue, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Ils sont pas assez bien alignés. Voilà. Bon, l'avantage c'est que le collègue, je peux le buter moi. Ça passe assez bien. On va pas prendre Pupula duplex. Ouais, si on le prend, on s'en fout. Pire des cas, il n'y a pas de celle que je veux et on peut pas continuer. Et tant pis, j'aurais pris un item en trop, quoi. Donc là, le jeu, c'est d'aller voir et d'espérer que la salle en bas, qu'une des deux salles soit une salle du sacrifice. C'est pas gagné-gagné, hein. Là, par exemple, c'en est pas une. Par exemple. On peut toujours aussi ensuite chercher un crawl space, mais ça devient plus compliqué. Ok, et toi donc, c'est pas une salle du sacrifice. Et voilà, fin du run. À moins de trouver un truc magique, je n'ai qu'une bombe, je vais la mettre là. Ça n'a pas marché. On a tout fait là donc. Donc voilà. Je ne vois pas quel coup du sort, à moins de tomber sur une rune Eowaz, miraculeusement. Et je vois pas trop ce qui pourrait nous y amener. Yay. Voilà, on a eu les deux salles secrètes. Je peux éventuellement chercher l'autre salle secrète. La salle super secrète, comme on l'appelle souvent dans le milieu. Elle est peut-être là. Elle est peut-être là. Elle est peut-être ailleurs. Elle est certainement ailleurs. Et voilà. Peut-être qu'il n'y avait pas de moyen d'aller beaucoup plus loin, mais on est quand même à 20 000 points, ce qui est bien ridicule. Presque autant qu'hier, hein. Rappelons-le. Presque autant qu'hier, où on est allé un petit peu plus loin. Bon, après, 60e au classement pour l'instant, c'est pas si dégueu, hein. Je veux dire, il n'y avait peut-être vraiment pas d'option. Là, si on remonte dans le truc, on va chercher un truc du style Pels ou des noms qu'on connaît, comme d'habitude. E. Snyder, je l'ai vu souvent, je sais pas s'il cheat, mais je pense que non. Parce que je pense que les gens sont honnêtes par défaut. Mais ouais, les scores sont pas
Ils sont pas transcendants, je veux dire 22K. Gvidon, 22K. Et bien sûr, les cheaters, hein, ça ne manque pas. Le gars qui fait plus de score que le max, il se pose pas de questions. Non, ça se trouve, on a fait un bon run et un bon score. Voilà, et il y aura même pas de montage, la vidéo fait 30 minutes. Pff, parfait. Parfait. Oui, je peux le dire proprement aussi, c'est juste que des fois je crache dans le micro. Allez-y!